Que faire de son sapin après les fêtes ? À Vesoul, la mairie propose à la population, à travers la ville, 5 lieux pour les collecter, au plus près des habitants. Ah bah oui, c'est dommage aussi d'aller en déchetterie, c'est loin, alors qu'en centre-ville, vous sortez à forcément 500 mètres de chez vous, vous aurez un point de collecte. Donc on s'en servira de vos sapins pour faire du paillage. En tout cas, on aura l'occasion de faire d'autres usages de ces sapins. À peu près 2500 sapins vont ainsi être déposés, mais que deviennent-ils après ? Les employés municipaux effectuent des tournées pour les ramasser. Direction les hauteurs de Vesoul pour y être compostés, le début d'une nouvelle vie. Donc voilà le broyat qu'on obtient suite au passage dans le broyeur. On le mélangera ensuite avec du broyat de branches au cours de l'élagage. D'accord. Et donc ça, ça va servir après à... Ah ben pour mettre en paillage dans les massifs. D'accord. Donc ça va être prochainement, ça va être dans combien de... Bah quand on fera des plantations en début d'année. Il y aura peut-être un peu de votre sapin dans les futures plantations dans les rues de Vesoul. Mais d'ici là, vous avez jusqu'au 19 janvier pour vous en séparer.